Il sera sur votre nom pour aller vers les peuples, pour leur dire Yako, pour les blessures, et surtout pour les blessures, et pour leur dire à votre nom de ne pas se décourager, de sortir des brousses et de prendre à la Côte d'Ivoire nouvelle. Excellence, nous l'avons fait. Nous avons accueilli toute la Côte d'Ivoire avec toi juste en tête. Nous sommes allés à Naïbri, nous avons été à Gidozon, nous avons été à Dieu de Fou, et nous avons touché ces forces communes. Nous étions en 2012, Excellence. Et par ce combat, nous avons réussi à repositionner de notre manière, à réveiller de notre manière notre parti. Et l'opérationnel de conscience, Excellence, s'est avéré gênante pour le pouvoir. C'est-à-dire que le 7 juin 2013, le camarade Bois Justin est arrêté au siège du parti à Cocody, au 31 arrondissement, à côté du 31 arrondissement, à Atoban, qui fait office aujourd'hui de votre quartier général. Bois Justin est arrêté. Le pouvoir pensait nous ébranler, mais non. Très rapidement, l'équipe s'est réunie et a désigné votre serviteur pour assurer l'intérim. Excellence, au moment où j'assurais l'intérim, je n'étais ni premier adjoint de Bois Justin, ni deuxième adjoint, ni troisième adjoint. J'étais simple membre du bureau chargé de l'organisation. Mais les amis ici présents avaient estimé que c'est moi qui devais prendre le devant. Et alors, courageusement, nous avons continué l'opération éveil des consciences. Jusqu'en 2013, où nous avons obtenu, grâce à notre concours, à notre participation, à la libération de presque toute la direction du parti, y compris votre jumeau, le camarade Sangaré Abou Kama. Et oui, Excellence, toute la direction sortie de prison. Nous sommes remis au travail. Et là, il faut débarrasser par l'ex-président de l'ex-parti d'alors. Il fallait tourner la page Bavolouran. Et là, encore, Excellence, les jeunes ne se sont pas laissés intimider. Nous sommes organisés. Et le 15 février 2015, Excellence, nous sommes retournés au vieux plateau, au siège de solidarité pour Bago, en Assemblée générale extraordinaire. Et là, Excellence, nous avons estimé de nos rangs ceux qui voulaient couvrir la page Bago parmi les jeunes de Côte d'Ivoire. Et nous sommes réorganisés. Et à cette Assemblée générale, Excellence, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, toutes les fédérations réunies ont décidé que je porte la voix pour mener ce combat en étant en 2015. Et donc après nous, le 5 mars 2015, Excellence, le comité central s'est réuni et donc a pris trois décisions majeures. La première, Excellence, c'était la suspension de l'ex-président de l'ex-parti. La deuxième décision, c'était la désignation de Sayaya Goudrama comme président intérimaire. La troisième décision, Excellence, c'était l'organisation du congrès de Mama pour vous mettre à la tête du parti. Eh oui, Excellence, c'est du congrès-là. Ça s'est passé ici à Mama. Et je voudrais saluer le chef de terre au bout de ce fait-là. Je voudrais saluer mon grand frère et mon papa, Kadé, Mathias. Et Excellence, j'ai cheminé dans ce village avec mon équipe 3 semaines durant pour recruter les jeunes. Je parle sur la supervision de Raja Batelébé. Pour recruter les jeunes, je parle sur la supervision de Daniel de Guépéta du Congrès. Parce que nous avions l'interdiction du Congrès à l'année. Mais il fallait tout faire. Comme l'instruction que Sangaré nous avait donnée, il fallait que le Congrès se tienne à Mama. Et Excellence, nous avons mobilisé les jeunes dans tous les quartiers de Gagnon, dans tous les villages de Ragaïo, 3 semaines durant. J'étais chez Kadé Mathias. Et on a fait des réunions nocturnes, Excellence. Et nous avons battu le pavé. Et lorsque, à 2 jours du congrès, quand j'étais arrivé, Excellence, je lui ai dit que j'étais fatigué. Et quoi, après le réveil, il a mis les jeunes en trop. J'ai salué Alain de la Zagor, qui est au départ de cette tour. J'ai salué Bruno Daniel, qui a posé de nous aujourd'hui. J'ai salué Zélie de la Gorgée. J'ai salué Kiki Julien Pierre. J'ai salué Dago Auguste. J'ai salué Titi Lapin, Excellence. Nous avons fait fond et nous avons replié les gendarmes jusqu'à Caraïbes et nous avons fermé la gendarmerie. Au moment où nous avons fermé, Excellence, nous sommes allés chercher ce gendarme à Cagnon et nous avons fait le congrès de Mama sous votre patate. Et le congrès de Mama vous a désigné comme président. Sortie du congrès, Excellence. Sortie du congrès, Excellence, n'a pas été facile pour nous. L'attaque a commencé. Nous avons le président du comité de contrôle arrêté. Alain Guéguet, président du comité d'organisation du congrès, arrêté. Quoi, Justin, arrêté à Bondouba, son lieu de service, et jeté au camp pénal de Boité. Là, il est sur votre serviteur, arrêté, et jeté à la prison de Témoncro. Après Témoncro, j'ai été envoyé au camp pénal de Boité. Après le camp pénal de Boité, j'ai été envoyé à la prison de Cassiola. Après Cassiola, j'ai été envoyé à la Macaïsila. Et à ce moment-là,
ressurgit pour continuer le combat chrétien Abraham. Chrétien Abraham, l'essence, a joué un rôle pour le continent. Car en l'absence, il a réorganisé le combat. Et au sein du jour du refus, nous avons bataillé dur en 2015 pour s'opposer à la révolution constitutionnelle. Mais surtout, pour ne pas que les élections de 2015 aient lieu, parce que c'était les élections publiques d'avance. Je vous salue, Chrétien Abraham, qui a assuré cela à notre absence. Et si nous sommes sortis de prison en 2018, à l'heure du congrès de Mossou, et après cela, nous sommes allés au congrès exactement en août 2018 à Mossou. Le congrès a pris deux recommandations majeures. La première, c'était la plus grande libération, et la seconde, nous devons participer aux élections présidentielles de 2020. Mais c'est dans ça que je passe sans feu. C'est parce que c'est une histoire que nous avons vécue, et c'est pour la forêt. Je n'ai pas besoin de documents parce que les tâches sont sèches. Et là, le bâtiment, le bâtiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous étiez dans ce que vous avez déjà dit, vous étiez pas avec moi, que vous étiez dans le candidat pour les élections présidentielles. Alors nous sommes partis, excellence. Nous sommes partis jusqu'à l'année 2020. Et avant cela, en janvier 2019, excellence, vous êtes libéré. C'est la souche, et oui, je serai joué ici en Côte d'Ivoire. Et surtout, le président de Côte d'Ivoire, qui espère en vous, parce que le programme que vous avez pour eux est bien un programme intéressant. Ce programme va pouvoir les sortir du tout sur le moment, et ce programme va pouvoir les garantir dans l'avenir. Pourquoi les jeunes qui sont engagés derrière vous? En 2019, excellence, vous êtes sorti de prison. Vous êtes sorti de prison, mais c'est une liberté qui était encore mitigée. Et Dieu merci, en mars, excellence 2020, la Cour pénale donc a prononcé votre acquittement total et aujourd'hui, excellence, vous êtes parmi nous. Au voit que les tours, nous avons battu le pavé. Et bien avant ça, excellence, bien avant ça, pour l'organisation des élections de 2020, nous sommes partis, excellence, pour permettre que votre candidature soit déposée à la position de l'État. Ce jour-là, quatre jeunes étaient, ils sont parmi nous. Et nous avons tout fait que votre candidature soit maintenue, excellence, parce que pour nous, vous étiez le public. Et la seule personne qui pouvait donc défendre les intérêts des jeunes du Côte d'Ivoire. Nous avons fait ce travail, excellence. Lorsque le 6 août 2020, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, a proclamé, excellence, pour la troisième fois qu'il peut appliquer à Madame présidentielle une décision qui est à titre positionnel, c'est avant les jeunes du Côte d'Ivoire, excellence, qui les premiers se sont levés, ont commencé à organiser les camarades. Nous avons reçu les jeunes du PDCI. Et les jeunes de plusieurs partis politiques ont levé alors. Et nous lui sommes dit non, ça ne pourrait pas passer. Nous l'avons fait, excellence, parce que c'est notre devoir de le faire. Parce qu'à chaque génération, sa mission. C'est pas ça qu'on l'a dit. La génération de 90, vous a aidé à obtenir le multipartisme. La génération de 2000, avec la Tamara Pugas, vous a aidé à gagner les élections présidentielles et à arracher la victoire au militaire pour l'armée. La génération de 2010, c'est nous sommes. Notre rôle, c'est de nous battre pour vous faire réveiller. Alors, excellence, nous avons organisé la nuit pour le président de la République. Je voudrais saluer l'ambassadeur Akamani qui est là, avec qui nous avons travaillé. Je voudrais saluer le premier Boubacar, et surtout, je voudrais saluer les Diamanco. Les camarades avec lesquels nous avons construit l'excellence. Quand on lançait le premier mandat, j'étais malade. J'étais malade d'excellence parce que les trois années passées en prison, j'ai été abandonné. Et je voudrais saluer les amis de Dieu. Mais le président, c'est quand même pour nous, pour être les quatre. Pour aller payer des avions à la France pour nous soigner. C'est à cette époque là, excellence, que vous avez l'honneur de me recevoir. Mais excellence, quand j'allais à Bruxelles, je ne me comptais pas tout bien. Mais je ne pouvais pas vous le dire, quand vous m'avez demandé tout va bien, je dis bien, excellence. Or, pourtant, je suis sorti là, et je suis resté 10 jours à l'hôpital de Paris, sans transmettre sa maladie. Voilà. Oui, excellence. Et donc, vous avez même pas de manière. Nous avons donc fait. Au sein du PDC, une grande conférence de presse, un mardi 11 août, au sein du PDC. Et votre serviteur, Henri Lestor, était donc le conférencier principal. C'est moi qui ai animé cette conférence, en appelant les jeunes, et surtout les femmes et les hommes de Côte d'Ivoire, à descendre dans la rue partout, pour se mobiliser contre le troisième mandat de la Santé. Et c'est plus tard que, certes, ces manifestations se sont liées à la télévision civile, après la CNT, et nous connaissons les résultats de cela. Est-ce que là, toutes ces questions, tous ces faits relatés, c'est pour vous dire que nous sommes avec vous, que pour vous, nous sommes prêts à tout, au moment où vous venez en Côte d'Ivoire. Nous essayons de nous recevoir aujourd'hui, je vous assure que les jeunes de Côte d'Ivoire sont prêts pour vous.
Et je ne sois pas de façon prêt à conduire avec vous. Et je ne sois pas de façon prêt à vous magnifier. Parce que vous seul, vous recevez la réalité de Côte d'Ivoire et vous recevez les dieux d'Afrique. Nous sommes d'accord avec le PSI et désormais nous sommes d'accord avec le PSI. Au moment où nous quittons, Excellence, très bien le droit de Congrès, où nous laissons la vie des dieux, parce que ça fait 21 ans que nous sommes à la tête de la vie des dieux. Nous avons été élus, nous avons représenté dans la place. Nous avons été élus en septembre 2001. À la vie de la société technique de la mer, parce que nous sommes tous issus du peuple de Congrès qui en a pris. Et depuis ce temps, il n'y a jamais eu de Congrès. Même en 2018, où nous avons fait le Congrès, après le Congrès de Mossou, il a été dit la direction de la vie de l'Est et de ne pas aller au Congrès, de nous réorganiser et continuer le combat. Et c'est ça, c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, au moment où nous passons la charge, au moment où nous allons au Congrès bientôt, je voudrais vous assurer que tous ces jeunes là sont à votre disposition. Tout ce qui est à votre disposition. Vous menez le combat de la liberté. Vous menez le combat de la démocratie de la Côte d'Ivoire. Vous menez le combat de la souveraineté et de la souveraineté ensemble. Nous sommes avec vous, Excellence. Mais Excellence, le Congrès de Mossou, ça n'a rien de faire honneur à prendre la politique de la qualité de nos responsables dans la direction du parti. Après le Congrès, Excellence, vous êtes du PACI, c'est Excellence, en tout monde. Nous voulons continuer, Excellence. Ils vont travailler avec vous, à côté de vous, pour vous aider à relever tous les défis. Parce que pour nous, vous êtes notre candidat de l'université et nous allons battre pour avec vous. Gagner n'importe quel candidat. Voilà l'excellence. Et cette année 2022, une année de bénédiction pour vous. Une année de relever, excellence. Bonne année à vous et à votre bon candidat. Que Dieu vous garde aussi longtemps pour que nous puissions bénéficier de vos salaires, que nous puissions bénéficier de vos conseils, que nous puissions bénéficier de vos orientations. Excellence, allez-y, je m'arrête et je vous remercie. Merci d'avoir